C'est un de ceux qui grimace quand il s'approche des grandes surfaces. Un aigri des supérettes, un empaffé des rayonnages. Puis je prenais la lisse fébrile, le cabaret était glacé. Je faisais semblant de perdre les clés. Pour y échapper, je tentais le self-control. Et puis ça ne marchait pas, mais la vérité toute nue, c'était que là-bas, y a bien trop de choix. Ça me paralyse, un truc comme ça, y a bien trop de choix. Cerveau sait plus quoi faire, tout ça, y a bien trop de choix. Ça fait pétiller les synapses et ça fait tourner le serviette dans la tête. Brrrr. Je deviens complètement malade dans cette société de consommation. Je deviens complètement timbré dans cette société faite d'illusions. Je deviens complètement toqué si je dois aller au supermarché. Si je m'approche des caddies, eh ben je m'évanouis. Je pourrais devenir ma boule quand je dois m'acheter du taboulé. Je vais finir schizo devant les haricots. Y'a bien trop de choix. Ça me paralyse, un truc comme ça, y'a bien trop de choix. Cerveau sait plus quoi faire, tout ça, y'a bien trop de choix. Ça fait pétiller les synapses et ça fait tourner les serviettes dans la tête. Je suis complètement phobique, épris de peur, panique. Pire souvenir, aller des jambons en mai 68. J'ai bien failli passer dans cette putain d'allée entre les côtelettes et le bœuf, près du jambon puré. Je devais juste prendre quelques tranches pour accompagner la purée. Mais je n'ai pu me décider face à tout ce qu'on me proposait. Y'a bien trop de choix. Ça me paralyse un truc comme ça, y'a bien trop de choix. Cerveau sait plus quoi faire, tout ça, y'a bien trop de choix. Ça fait pétiller les synapses, ça fait tourner les serviettes dans la tête. Plus de supermarché, plus de choix, pitié.